Maintenant qu'on a fait l'étage 1, ah oui, on continue. Il ne nous reste qu'à suivre le bec de câble. Ah oui, alors, numéro 2. Tout à fait. L'ascenseur monte. Et qu'est-ce que ça nous donne, quel film? Oh là 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 là. Deuxième étage, la porte s'ouvre. Le mystère est total. Sur quel film va-t-on tomber? Nous devons poursuivre. Nous devons, en effet. Oui, nous voilà au deuxième étage. Deuxième étage, et pas pour n'importe quel film. Pour un film bien atypique. Bien atypique. Je vois qu'il te manque quelque chose, d'ailleurs. Où est-ce que j'ai pu la mettre? Attends. Ça y est. C'est bon, tu l'as retrouvée. Et oui, la main, il en est question. Hein, qu'elle est jolie. Oui. En plus, comme dans le film, c'est la main droite. C'est vrai. Eh oui, parce qu'on va parler de J'ai perdu mon corps. Premier long métrage de Jérémy Clapin. Oui, semaine de la critique. Alors qu'on connaissait quand même déjà pour, effectivement, ses courts-métrages. Hein. Schizone. Eh oui, notamment. Histoire vertébrale. Il y avait déjà beaucoup d'inventivité. Même si le dessin était peut-être un peu trop minimaliste, ça pouvait peut-être décourager, mais bon, le scénario derrière était tellement génial. C'est ça. Et là, tout est bon. Du coup, l'esthétique, effectivement, est très élaborée, et ça fait plaisir, parce que c'est autant un plaisir visuel que un plaisir narratif. Hein, donc c'est vraiment, je trouve, un premier long métrage, il nous fait ça, c'est quand même déjà, on se dit, lui, il a un bel avenir. Hein, ouais, ça atteint déjà des hauteurs. C'est Paris en plus. Et oui, ça se passe à Paris. Ah, c'est pas rien. Je me demande si on ne verrait pas au loin la Tour Eiffel, peut-être. Tout ça? Bon, peut-être avec un peu d'imagination, cela dit. Ah hein. Oui, parce que là, oh là là, j'ai besoin d'imagination. Attends, faut que je fasse la mise au point dans mon esprit. Attends, elle pourrait ressembler peut-être à... Ah oui! Tu vois au loin. L'Eiffel. Avec un peu d'imagination, mais elle est quand même là. Oh bah, le cinéma, c'est une affaire d'imagination. Ah oui, toujours. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce mélange, on va dire, de temporalités différentes. D'un côté, cette main, qui donc est désolidarisée du corps de son propriétaire. Et justement, le souvenir qu'a cette main de ce que le propriétaire a vécu jusqu'au moment fatidique hein, de la perte de la main, on va dire. Quelque part, la mémoire n'était pas seulement dans le cerveau, mais imprégnée tout le dans corps. Dans le corps, et, ouais, c'est ça. Il y a une unité, vraiment une métaphore de l'unité aussi, exactement. Et de la désunion. C'est ça. Dans la décomposition, malgré tout, il y a cette forme, effectivement, tu as raison, d'unité, de point de vue autosuffisant de la main. Et d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est que là où le synopsis aurait pu virer complètement morbide, c'est macabre, assez glauque dans l'esprit. C'est contrebalancé par de vraies scènes poétiques. Voilà, parce que quand tu lis le synopsis... L'histoire d'une main amputée, oui. Retrouvée dans un frigo, qui veut retrouver son... qui veut se resolidariser avec son corps d'origine. Et oui. Une main qui se balade toute seule... On peut en faire des cauchemars, un peu arachnéen, hein, ouais. Sur les bords. C'est vrai que parfois, ça vire un peu... très réaliste, notamment quand ça se fait attaquer par des rats ou quand oui. Les gens y passent. Mais le réalisme, là, est dans ce qui est quelque chose de rassurant et poétique. Voilà, et ouais. très touchant. Alors, quand tu me diras touchant... C'est l'idée. Voilà. Hein, la main, c'est clair, c'est le tactile. Voilà. Mais cette main, elle devient presque vivante. Enfin, elle est déjà vivante, oui, mais presque façon. Émotionnellement vivante. Ouais, on lui donne des émotions. Vraiment, oui, c'est vrai. Elle est vraiment humanisée, elle est vraiment anthropomorphisée. Complètement. Reconnaîtrait presque une silhouette humaine. Et je crois que c'est vraiment bien vu parce qu'il faut qu'on s'y attache à cette main en soi. Enfin, je veux dire, c'est le héros du film. Ah bah les mains, ça attache bien. Ça attache, hein. Voilà, moi voilà. Je ne peux pas. Ça attache. Cette scène géniale où elle écoute un aveugle. Donc cette fois, lui, c'est les yeux oui. Qui ont été amputés d'une certaine façon. Vrai. Ouais. Et où elle écoute un aveugle jouer du piano alors qu'elle-même, vu que son propriétaire avait pris des leçons de piano, elle-même connaît justement le mouvement des touches, etc. C'est vrai. C'est très bien le rappel, même dans le souvenir, quand en fait, la mise en scène met déjà, sépare, isole la main, alors qu'elle est toujours bien accrochée au corps. Hein, pour le déjà coup. Un beau bracelet. C'est ça. Très souvent. Oui, c'est vrai. Même parfois, tu as des gros plans main à part. D'ailleurs, la main qui laisse une empreinte. Eh oui. Moi, je me souviens. Cette très belle scène à l'interphone, le héros a rencontré la jeune femme qu'il va aimer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans cette scène-là, on reste toujours dans le point de vue du héros. On passe jamais de l'autre côté de l'interphone. Puis la scène dure, on a vraiment le temps. Mais
Puis c'est assez joli aussi ce qui se dit dans ces échanges. En plus, c'est très fort comment rendre touchant, enfin, comment faire une scène entièrement autour de cette interphone, ouais, dans une entrée d'immeuble. Et puis c'est très poétique, même dans les séquences avec la main fait parfois des choses très belles. Avec un parapluie notamment, elle va s'envoler en grippant un parapluie, voilà, pour atteindre. Et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'ils ils essayent toujours de garder un réalisme, bon, presque ouais, une approche scientifique, quoi. Et une musique quand même aussi, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Ah non, je crois que c'est un... Je me demande, c'est Daniel Lévy, j'ai ce nom qui me vient en tête. Ah, mais ce serait à vérifier. Oui, mais... Daniel Lévy. Parfois ça vire dans le cœur. Ah, c'est très puissant, parfois, c'est pas juste la... Ah, c'est exactement, c'est très très puissant. Et non, vraiment, ça porte l'émotion. Et moi j'aime bien la fin, elle a une tonalité particulière. On ne sait pas, on est dans la décision. Ah, peut-être on pourrait dire en demi-teinte, parce que le sort du héros, on ne révélera pas, mais il est incertain du moins, et effectivement ça donne cette touche encore, un peu d'amertume. Mais vraiment, qui est assez touchante. Ça te touche. Oui, c'est ça. Oui, le tactile. C'est bon, la main partout. Et oui, non, mais... Bon, ben, je suis content de voir que Jérémy Clapin n'a pas perdu la main. Non, c'est vrai. Avec cette mouche aussi, hein, qui semble être un leitmotiv et aussi une sorte de symbole du destin qui attend. Justement, pour l'attraper, cette mouche, il faut prévoir où elle va aller. Donc, il y a déjà la philosophie du film notion, contenue. La notion de destin. Est-ce que tu crois au destin ? Je trouve que le thème de ce film, c'est vraiment la mémoire, les traces, ce qui est derrière nous. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Ah, je me souvenais pas de ça. C'est... Voilà, mais vraiment sur l'empreinte, c'est pour ça que c'est une main, c'est pas anodin. Et... Avec cette grue, toujours à l'horizon, qu'il faut atteindre. Où ça ? Non, on a eu la tour Eiffel tout à l'heure. Oh. C'est déjà beau. Faut pas trop en demander. C'est voilà, la hauteur, c'est ça symbolise quelque chose dans ce film. Ouais. Cette grue qui sera la boussole, justement, l'étoile polaire de la main. Bon, bah, c'est un très beau film, mais on a aussi tout autant de beaux films voilà, qui nous attendent. Les autres étages nous réservent un destin. Tout aussi touchant. Nous non plus, nous n'avons pas perdu la main. Nous allons poursuivre de ce pas. Bien, je t'en prie. Allons-y, alors. Après toi. Allez. On embarque. On va repartir de plus belle. La porte s'ouvre.